Etienne 1622. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment faire un fidget cube Lego. Donc désolé, ça fait 3 mois que j'ai plus fait de vidéo, même un peu plus de 3 mois, parce que d'abord j'essayais de trouver un moyen de filmer mon écran de télé sans mettre un téléphone devant. Ensuite il y avait les vacances et tout. Voilà, donc du coup j'ai trouvé tout ça, donc j'ai même trouvé un logiciel pour coller deux vidéos ensemble, rajouter de la musique sur une vidéo. D'ailleurs vous avez pu voir que j'ai fait une intro. Voilà, donc on va passer directement à la démonstration du fidget cube. Donc alors voilà, il est comme ça. Donc un fidget cube, je vous rappelle, c'est un truc pour s'occuper les mains. Voilà, donc moi je fais ça, par exemple, faire ça. On peut tourner la roue là. On peut se mettre avec ça, on peut faire ça. On peut faire ça. 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 Et aussi on peut faire si on met bien le truc, faire comme ça. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour vous montrer toutes les pièces dont vous aurez besoin. Voilà. Là, c'est toutes les pièces dont vous aurez besoin. Donc voilà, il y a par exemple une petite pente comme ça. Enfin, voilà. Il y a un truc qui se plie. Enfin, voilà. Je vous laisse comme ça. Vous pouvez faire pause si vous voulez pour réunir toutes les pièces. Ou si vous en manque, vous pouvez remplacer par des pièces qui ressemblent. Ou trouver un moyen, modifier un peu. Enfin, c'est comme vous voulez. Et donc, je vous dis à tout de suite pour la partie montage. On va procéder tout de suite à la partie montage du fidget cube. Donc, d'abord vous prenez une pièce comme ça, de 4x4, plate, une plaque 4x4, voilà. Ensuite, vous mettez un petit truc de 1, de 1 fois 1, ensuite, vous mettez une pente, 1 fois 1. Donc les numéros que je dis, c'est les petits ronds qu'il y a dessus. Voilà. Vous prenez une pièce de 1 fois 1 avec un trou dedans pour laisser passer la petite tige que voici qui va permettre de mettre la roue. La roue que voici. Donc une petite roue, je ne sais pas quelle dimension elle fait, mais en tout cas c'est une petite roue. Ensuite, et ben vous mettez une pièce comme ça, de 4 x 1. Ensuite, vous prenez ça, donc de 1 x 1. Et vous prenez une pièce de 2 x 1 avec un trou. Vous la positionnez comme ceci. Vous mettez la petite tige avec une plaque au bout, enfin un petit rond au bout. C'est très important, sinon le truc est se barrer. Donc voilà, vous voyez, je tire, ça part pas. Parce que la plaque, elle bloque. Ensuite, vous enfoncez ça sur la tige. Donc, faut pas l'enfoncer trop non plus. Parce qu'après, on va mettre ça. Pour éviter que justement ça s'enfonce trop. Voilà, donc une plaque lisse 2x2. Ensuite, il faut prendre, ça. Donc vous voyez, attendez, donc vous voyez bien que là, le truc que je vous ai montré tout à l'heure, faire tourner ça avec la roue, en fait, il faut le positionner comme ici, tu vois. Et puis, tu fais tourner,
faut mettre comme ça parce que ça va bloquer avec. Là, on peut pas trop parce que c'est pas encore tout monté, mais une fois que ce sera tout monté, ça va marcher. Et vous faites tourner ça et puis ça se fait tourner un peu, mais voilà, comme ceci. Comme ça. Bon, bref, allez. On va. Il faut mettre une pièce de 1 x 2. Ici. Ensuite, une pièce. Une pièce de 1 x 2 ici. Ensuite, une pièce de 1 x 3 là-haut, au-dessus du truc. Voilà. Vous mettez une petite plaque ici. Vous prenez une tige comme ceci. Vous accrochez ça au bout. Donc un petit truc comme ça. À la base c'est un truc d'avion, je sais pas quoi. Là vous mettez ça. Vous l'accrochez ici. Voilà. Il faut planter la tige. Enfin pas planter. Accrocher ici. Donc voilà, vous voyez, ça va sortir par le trou ici. Ensuite, ben tout simplement, vous prenez un 1 x 4. Vous mettez là. Une brique 1 x 4. Ensuite, une brique 1 x 2 avec un trou. Vous enfoncez la petite tige. Voilà. Vous enfoncez la petite roue. Voilà. Donc comme ça, ça tourne. Ça peut être... Voilà. Ensuite, vous mettez 1 x 1, une brique 1 x 1. Ensuite, par-dessus ça, par-dessus la tige, une brique 1 x 4. Ensuite, donc, une brique 1 x 2 ici. Ici, une brique 1 x 1. Ici, une brique 1 x 2. Ici, enfin, une petite brique, enfin, pas une plaque, pardon, deux petites plaques 1 x 2, comme ceci. Ensuite, une plaque 2 x 4, comme ceci. Une plaque 1 x 4. Donc, les 1 x 2, 1 x 4, vous pouvez mettre 1 x 4 aussi. C'est ce que moi, j'en ai pas trouvé. Voilà. Ensuite, vous prenez une pièce comme ça, donc c'est une pièce qui se plie. Ce qui va servir à faire le dessus. Donc vous la mettez comme ceci. Donc là, pour l'instant, ça peut aller jusque là. Et là. Donc c'est pas bloqué comme tout à l'heure. Mais pour le bloquer, eh ben, je vais vous montrer. Alors, vous mettez, non, pardon, une pièce comme ça. Donc un espèce de petite bouche d'aération, 1 x 2, en plaque. Et là vous prenez une plaque lisse, donc quelle que soit la couleur, n'importe quoi, vous pouvez changer les couleurs, c'est comme vous voulez. 2 x 2, ici. Et, excusez-moi, j'ai oublié un petit truc, ici il fallait mettre ça, donc comme si, mettez ici. Non, ici, pardon. Je trompe tout le temps. Donc voilà, vous la mettez comme ceci. Et vous mettez ici, parce que sinon il y a un petit trou au niveau de la roue. Et puis voilà, vous avez votre fidget cube. Là c'est un peu tordu, parce que la force de rester plié comme ça. Donc voilà, vous avez ça, donc normalement c'est plus droit, mais bon tant pis. Alors... Donc voilà, vous avez votre fidget cube. Donc voilà, cette vidéo est finie. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner. Et puis maintenant, oui, pour les vidéos, je vais essayer d'être un peu plus régulier. Par exemple, une vidéo par semaine, parce que sinon, j'aurais du mal à respecter. Et donc voilà. Donc cette vidéo est finie.
Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.